J'aime retrouver le petit pan de pierre. J'aime écouter le murmure du ruisseau. C'était superbe cette promenade. Le château de Pagas est vraiment une belle bâtisse du Moyen-Âge. Et le hameau de la Favarède. C'est vrai. Ah, c'était bien. Mais maintenant, je suis très fatiguée. Il faudrait bien qu'on trouve enfin la maisonnette de Marimou. Cette mémé qui vit là depuis sa plus tendre enfance. Sa petite ferme, dit-on, est accrochée au flanc de la colline. Oh, regardez, on l'aperçoit là, tout près. Oui, oui, c'est Marimou, c'est Marimou. C'est Marimou. Bonjour, mes petits. Pécaïre, vous avez l'air tout épuisé. Mais d'où venez-vous? Nous arrivons d'une grande balade. Tu sais, grand-mère, nous avons parcouru tout le chemin forestier et nous sommes bien contents de te trouver ici, au fond du pré de la Garrigale. Ta maison est très jolie, grand-mère. Tu y habites... À peine jour, et déjà les fermiers répondaient à l'appel de l'Angélus, sonné par le campanier matinal. Là-bas, au fond du pré pentu, déroulant sans cesse le temps, la grosse roue du moulin des bois continuait à tourner au fil de l'eau. Le vieux meunier à qui l'ouvrage ne manquait pas était son plus fidèle compagnon. Et déjà de bon matin, sur le pas de la porte, il entassait les sacs de farine. Et ce n'est pas le brouillard matinal qui aurait en... Devant l'enclume, le forgeron ne connaissait personne. La pince agile qui est aux gens qui marchent à pas pesant, mais qui sont solides d'allure, aimant ce qui résiste dur, au moins pendant 2 ou 3 ans. Tranquille mélopée de Gabriel poussant ses voeux. Hé, mon brion ! Hé, donne-moi ! Thank you.
y avait aussi les fêtes religieuses. Oui, oui, c'est vrai. Je me rappelle. La fête Dieu était marquée par une grande procession. Toutes les maisons étaient magnifiquement décorées pour son passage. Et tout au long, les enfants jetaient des pétales de fleurs. Repassé par la mère, le béret neuf incliné sur le côté comme le faisait le père, nous pouvions aller, on était des hommes. Mais tu ne dis plus rien, tu es triste? Oui, je suis triste. À cet instant alors qu'il ne pensait qu'à rentrer les gerbes, biner la vigne, soigner les bœufs et le cheval. Grand-père, tu pleures? Écoute, petit, il faut qu'il n'y ait plus jamais ces souffrances atroces et ces peines inutiles. Viens, continuons notre chemin. Je te raconterai encore. Avec les mains ouvertes et l'âme au bord des cils comme une eau de printemps. Que pour vaincre le mal, exorciser le temps, il suffit bien souvent d'une simple pensée aussi pure que le vol de la blanche colombe. Thank you.
pour me dire qu'on avait besoin de moi au village, pour me dire qu'il ne pouvait plus y avoir de terre sans blé, des moissons sans hommes, des femmes sans mari et des enfants sans père. Et à mon retour, j'ai ramassé dans ma main une poignée de cette terre. J'ai senti souffler le vent dans les genêts fleuris. Et ainsi dans mon cœur est revenue l'odeur de l'amitié et le goût du travail. Il paraît que certains habitants de ce village étaient mineurs. Oui, tu as raison. Alors que la nuit était encore épaisse, certains partaient travailler. Dans tout le pays du bassin mouillé. On l'enterra dans le petit cimetière, là-bas, près du moulin. Merveilleux souvenir. Les invités étaient nombreux et après les passages à la mairie et à l'église, la noce défilait alors dans les rues. Elle était souvent précédée des musiciens du village. On buvait la tournée dans tous les bistrots et la fête durait toute la nuit. On chantait et dansait jusqu'à l'aube. Thank you.
Défendre ta maison, ta vigne et ton village. Petite piquette ou grande rue, laissez pas moisir tes jus. Loin des tristes bacchanales, à l'eau minérale, il y a des cactus dans le raisin. Veille au grain, je te dédie ce refrain. Je te dédie ce refrain. Les bras puissants du laboureur tenaient les poignées de la charrue. Une brume légère s'échappait de cette terre grasse qui respirait enfin et s'apprêtait à recevoir la graine. Un sac mis en besace sur l'épaule, le paysan arpentait les sillons fraîchement tracés. Chaque ferme avait un petit jardin. On cultivait nos légumes. Il en fallait, car chaque repas préparait une bonne soupe pour toute la maison. Qui avait failli déborder, de la vache du Marius qui avait eu du mal à veiller. Enfin, il se disait toutes les dernières nouvelles. Il n'y avait pas une table à grand chose. Il n'y avait pas une table à grand chose. Levée et du dos caressait l'herbe suivante.
Avec la lame d'acier glissant dans l'herbe, il suivait les moindres pentes de terrain. Il fallait que partout l'herbe soit coupée à la même hauteur. Jamais l'être humain ne butait contre une pierre ou une topine se croisait dans les chemins creux. Sur les plateaux, les moissonneurs, toujours pliés en deux, la tête en bas, sous un soleil qui brûlait, respiraient la chaleur que la terre renvoyait. Et cela, toute une journée et des semaines entières. Et même, chaque mois de juillet, se tenait dans notre village une foire et un marché très important. C'est pour cela qu'un endroit y est encore appelé le Foirail.
Ah oui, c'est trop bien. Oh, regarde, c'est beau. Oh, on est dans les nuages. On est dans les nuages. On est dans les nuages, là, regarde. On la regarde, non, c'est ça. Oh là là, regarde. On est dans les nuages. Regarde, on croirait des nuages.